Salut YouTube, vidéo promise, vidéo due, on est aujourd'hui sur ETS de Euro Truck Simulator 2, centre Scania, je vous avais dit, on est parti en Suède, je vous fais voir ça, on est à Södertälje, vous allez voir, la cam ici pour la vue volant, la face reveal, on est là, le camion, le V8, c'est parti, on s'abonne et on like. Scania, oh le voilà, let's go! Voilà, on est là. On est à moins de 10 km du centre Scania. Alors on en est là. Avec mon beau V8. Donne-moi ça. Donne-moi ça la bête. Voilà. Je le kiffe. Il est là. Tranquille, Scania par ici. Donc pour aller à Södertälje, hein, vous allez spawn. Hop, je vous fais voir. Vous allez à Stockholm. Et donc on sera ici. Ça c'est le centre Scania. Le centre, le garage. Mais le centre il est par là. Je vous ferai voir de toute façon dans un deuxième temps. Et là on est là. Aïe aïe aïe, on est là aux sources. Bon, je vous referai pas l'histoire de Scania. Hein, j'ai dû en parler lors de l'achat de ce V8 d'ailleurs. On en est là. Waouh. Je ne sais pas presser. Regardez-moi ce parking. Magnifique. Regardez-moi ça. Tous ces beaux Scania. Ah, c'est beau, hein. Ah, c'est très, très beau, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pour le turn. Je sais pas ce que c'est, mais go. Là, on est dans l'usine, là. Là, on est vraiment dans le monde Scania, là. Ah, je vais faire le tour, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, par là, oui, après, il y a la suite. Juste, on va faire un petit demi-tour. Oh là là. Ce son magnifique. On peut même venir récupérer de la marchandise ici. Bon, c'est pas l'idée. On peut pas rentrer. Mais regardez-moi ce parking, quoi. Pa. Bon, la modélisation un peu moins belle, mais c'est normal, c'est pas des véhicules qui roulent. Mais ça donne une idée, quoi. Une idée de la chose. Bref, on est bien chez Scania. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est ni plus ni moins que le centre Scania. Donc, c'est là où ils vont pouvoir tester tous leurs véhicules. Et c'est là où on va. C'est là où on va. Je vais mettre à la porte. Ah, je vous le fais voir. Vous allez, voilà. Au moins, vous savez par où est le chemin. Il n'y aura pas trop de coupures YouTube. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je tourne à droite. Je vais là. Oula. Et là. Le centrum. Petit rond-point. On sort ici. On va pas aller à droite parce que t'as compris, c'est sans interdit. On sort ici. Olé. Voilà. Nouvelle carte mise à jour. Attention, nouvelle carte mise à jour. Hop, hop, hop. Route secrète. D'ailleurs, j'en ai fait une sur YouTube. Vous la verrez. Là, quelques garages. On va. Ok. Route prioritaire. On va se mettre au régul un peu. Là, qu'est-ce qu'on a? Une station essence, non? Ouais, ça a l'air. Pour faire le plein, je crois que je suis bien, moi. Ok. Ah, mince, j'ai pas vu. Mais on est sur la bonne voie, YouTube. Ne vous inquiétez pas. On tourne ici. Et là. Et là, on est toujours sur la nouvelle route.
Route secrète, donc c'est celle en pointillé. Toujours. Aïe aïe aïe. Oh là. On peut pas. Ça commence à sentir bon là. Regardez-moi ça. Volvo là. Petit terrain de tennis. Ok. Ouais, petit arrêt et tout, hein, sympathie. On sort de la zone. 60. Voilà, ce V8, moi je ne m'en lasse jamais. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Vous le voyez là? Vous le voyez là? Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Scania Demo Center. Regardez où on est. Regardez où on est. Voilà. On est là. Petit rond-point, clac, clac, deuxième rond-point. Et ah bah à mon avis, on est par là. Allez, on y va. Ah là 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 là. Scania Demo Center. Zone à 30, ok. Alors, est-ce qu'on a le feu vert? Est-ce qu'on est autorisé à rentrer? Oh, 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 Sésame, ouvre-toi. Aïe, aïe, aïe. Merci, merci. Ah là là. Ok, alors attends. Les camions à gauche et le parking voiture à droite. Bon. On va faire le tour quand même. Ok, petit parking ici. Un beau Scania di famiglia. C'est quoi celui-là? Ouais, je me permets, on peut pas descendre. Hein. Je sais même pas quel modèle, ça va être un. Oh, c'est un R. Bref, il trône ici avec la petite cafette et tout là. Je sais pas s'il y en a certains qui connaissent le centre Scania IRL. Il y a même mon vélo. Je sais même pas si on peut le visiter en soi. Mais ça doit être un truc à faire quoi. Alors ça dit quoi? Visitor Hub. Ah bah si, Visitor Hub, ok. Scania Field Workshop, Filling Station, Event Hall, Off-Road Safari. Oh lolo lolo. Ah je vous dis la vidéo là risque de durer un peu mais bon. Si je peux chapitre ou je verrai ce que je peux faire. Bon allez, on a passé la barrière. Let's go. Alors là c'est grand parking j'imagine pour les démos, tu vois, quand t'as une remorque, quand t'as pas de remorque. Je suis venu en solo hein. Sans remorque. On va voir ce qui est différents bâtiments et surtout les routes. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire les tests routes. Donc, un wall event. Ok. On peut commencer là, peut-être? Ok. Je ne sais pas dans quoi je m'engage. Ok. Oula, oula, oula. Ah ouais, ça répond super bien. Ah ouais. Et ça fait un peu parc d'attraction, quoi. Allez, il faut faire demi-tour. Oh, ils sont fous, là. Ok. T'entends les petits craquements et tout des cailloux? Ok. Bon. Assez champêtre ici, hein. On peut passer par là. Attention à parier la carrosserie là. Ah là là là, il faut couper là. On va rayer là. Attends, oh. Ah là là, c'est n'importe quoi. Bon, ok. Ça, c'est fait. Checking petite route en terre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas que ça quand même. Hein. Bon. Alors oui, je vous l'ai pas dit, mais il faut évidemment le DLC West Balkan. Là, pour la Suède. Est-ce qu'on peut y aller là? Ça dit quoi? Ça dit use low beam. Ok. Je regarde, on sait jamais. Hein. Insertion tactique. Ok. Est-ce que attends, est-ce qu'il y a la vitesse?
Non, il n'y a pas la vitesse. Ah. Banana, banana. Ok. Sauf sur 16, quoi. Pas le droit de dépasser. Si, enfin, fin de limitation de dépassement. Petit. Ah ouais, l'autoroute, quoi. Ah ouais, c'est une autoroute, le truc. Bah, évidemment, 8-8, hein. Pas de problème, waouh. Oula, oula, on va se calmer. Là, tu peux même t'arrêter là, quoi. En surplombe une vraie route. Waouh, waouh, waouh. Attends, 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 attends. Oh là là. Eh, c'est stylé, hein. Moi, je veux bien leur rouler des camions tous les jours, hein. Ok. Ah, le dénivelé, quand même. Ok. Tester hein. 8% de dénivelé quand même, ok. Ah ouais, ok. Je pensais que c'était plus des tac 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 des plus petits. Ok, là on peut envoyer là. Let's go. Petit virage. Ah, c'est pas mal fait, hein. Alors, il n'y a aucun intérêt, évidemment, à part celui de vous le faire découvrir. Et puis de se dire que DC aura servi à quelque chose. Mais voilà, on va pas se mentir, ça fait une petite expérience sympathique. Pour ceux qui aiment en plus le monde de la route, les camions. Voilà. On est chez Scania, quoi. Quand même. Hein? Bah, s'il y a d'autres constructeurs qui font ce genre de choses, bah dites-le moi. Je serais curieux de savoir s'il y a des centres. J'imagine qu'il y a d'autres centres, mais lui, il est vraiment iconique. Alors pourquoi? Parce que Scania, j'imagine, mais... Ah, tu peux même te garer là, genre en mode... Ouais, vas-y, passe, passe. Ok. Ah, là, ça grimpe. Combien? 6%. Bon, nous, c'est easy, bien sûr. On refait un tour. On refait un tour, on refait un tour. Ouais. On se trouverait sur le grand GP, quoi. Alors on prendra Banana A. On va prendre de l'autre côté. Ah, clignotant, bien sûr. Banana, banana, banana. Ok. Même des chemins entre les deux. Et là, ça reprend la boucle qu'on a déjà prise. Ok. Ok. Insertion. On teste les limites du camion. Ou du chauffeur. Et là, il y a une petite route là entre les deux là. Ah, attends, je vais prendre là. Ah, attends, là, c'est quoi ça? On va y aller, hein. Ah, c'est en rond-point. Ok. Un rond-point qui emmène... Ah, qui fait la transition. Alors, sur les deux, en fait. Tu vois, entre là-bas et le centre et là. Ok. Alors, je pense pas que ça soit prévu pour les camions, mais on va tester là, le petit chemin champêtre là pour les piétons. Je vois que là, il y a quand même des rainures pour camion, là. Peut-être moyen. Hein. Là, tu ressens vraiment... Regardez-moi comme il bouge. Regarde. Je le mets un peu dans l'axe, quand même, mais... T'as vu? Les rainures, vraiment, répondent super bien, quoi. Il faudrait ça sur Farming. Farming 25, sort le 12 novembre. Pareil, j'ai fait... Petite vidéo analyse, voilà. Mais regarde, moi j'adore le réalisme du jeu, quoi. Wow, là c'est chaud, ça frotte pas là. Ah, ça frotte pas, hein. Ok. Là on serait quoi sur le Safari, non? Wow, ok, là ça grimpe un peu. Ah, là je suis à fond, hein. Je suis pied dedans là.
Ok. Je sais pas si t'entends comme moi le bruit sourd des pneus. Regarde. Ah ouais, le sound design quoi. Ah ouais, non. Ça blague pas. Hein. Oh, c'est un peu rude là. Fais voir sur la terre. Ouais, c'est moins, tu vois, je me dis que... T'entends un peu l'herbe? Ah, c'est le moment de tester, hein, on est sur le centre Scania. Ah tiens, on va voir si on a le bruit des... On a entendu les gravillons. On a entendu les gravillons. Ah ouais. Petite grimpette là. On va se calmer. On va se mettre un petit vue troisième personne pour vous quand même. Un point 50, hein, ajout de particules fines. Wow. Oh, j'ai touché. Ouais, là. Là, j'ai fait le bourrin, là. Ok. T'entends le l'écho? Genre l'écho du bois, quoi. Bon. Allez, on se fait un petit dernier tour, là. Troisième vue. Je sais que c'est peut-être plus sympa pour vous. Ah ouais. Bon, ah, à côté, il y a une autre route, là. Ah, on l'a pas faite, celle-là. Oh, il y a une route, là. Oh non, on va la faire. Ah ouais, non mais attendez. Ah ouais, non mais c'est pas fini là. Ouais, attends, je suis en train. C'est rien, n'inquiétez pas. Eh. On teste le camion. Attendez, là, je suis en train juste de m'enflammer. Est-ce qu'on peut grimper ça? Oh là 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 là. Bon, j'ai pas encore fait ma minia, mais il y a peut-être moyen. Hein. Non, on va pas l'abîmer, c'est mon petit joujou ça. Wow. Ouais, bon, bah le joujou là, il est un peu frotté. Bon, YouTube, je te cut, on revient au début de la piste. Bon, allez, go partie 2 au niveau de la route. Regardez, on repart du parking. Donc, on n'ira pas sur la piste à droite. On va aller par là. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'indications. Off-road ou off-road. Voilà. On en est là, quoi. Petit off-roadage. Eh ben, c'est go. Regardez-moi comment c'est smooth. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est totalement IRL, ça. Hein. Ça, c'est le même son en vrai de vrai, quoi. Oh. Ok. Petit tas ici, je sais pas à quoi il sert. Oh! Regardez-moi ça. Vous savez ce que ça veut dire. Bon, faut y aller, hein. Let's go. Je vais mettre les warnings. Allez, je vais mettre même la rampe, allez. Waouh. Avec mes petites bavettes là.
Ah! Peut-être pas le véhicule le plus adéquat. Oui. Ah, il a du mal hein, quand même. Hein. Oh, ça grimpote. Wow. Allez! Oi! Aïe, aïe, aïe! Ok. Premier chat. Oh là là! Pour rouler sur ça? Mais non. Mais non, on peut pas rouler sur ça quand même. Non, c'est pour dire elle est en travaux la route, c'est pas possible. On commence à patine. Mais non! Oh! Oh, le châssis, il est mort là. Oh, il est mort 10 fois là. Oh là là, les suspensions magnifiques. Bon, je vous la refais en POV. Allez, go de l'intérieur. Immersion totale. On va y aller tranquille, hein. Pas trop envie de le casser. Waouh. Je serai là sur mon fauteuil comme ça là. Wow. Ah non, en train de s'embourber là. Allez. Oh la vache. Waouh. Wow. Oh, je serais pas serein. Wow. Imagine, IRL, ils sont comme ça là. Wow. Oh la vache. Oh, j'aurais trop peur de casser le camion, moi. Ouh. Ça, c'est du test, hein. Bon, on se la fait celle-là. Hein. Regardez. On prend un peu d'élan. Allez. Ouais. Elles sont les mains comme ça. Ok, bon. Ah bon, on s'amuse, hein, on s'amuse comme on peut. Hein. Il faut rentabiliser ce DLC, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, ici c'est la carrière. Ça marche. Alors, la suite du programme. On va aller par là, là. Waouh. Et c'est... Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Ah, profiter du son, on s'entend plus et... Ah, c'est pas dans ce sens-là? Bon, c'est parti l'off-road. Passe à gauche? C'est quoi à gauche, là? Par 3, allez, go. Bon, c'est kiffant, hein. Franchement. Alors, je dis pas qu'il faut payer 20 € de DLC pour faire que ça, mais... Waouh. Ah, ça dit quoi là-bas? Ah, mais il y a plein d'étapes là. On va continuer sur le 3 pour toujours. Aïe. Ok, il y a des plots là. Ah, c'est à droite? Il y a quoi à gauche? Comment ça c'est interdit? On en reparle. On en reparle ou pas? On est à fond là. Allez, fond dedans là. Let's go. Je sais pas ce qu'ils font les petits connes là. Juste pour nous dire, juste, j'imagine qu'il faut aller par là. On peut passer là? Moi je veux passer là. Hein. Oh la grimpette! Wow! Oi. Ah ouais. Wow. Non, aïe. Ah si, on peut passer par là? Non. Oh my god. J'ai peur. Look at that section. That is incredible. Look at that. That really no, that's a special incline. That's phenomenal.
This is as close to straight down as I have ever been in a vehicle. Well, that is truly exceptional. Yes. Very excellent. Oh. Attends, non, mais regarde-moi ça. Non, c'est pas possible ça par contre. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Ok. Bon, moi je fais tous les circuits, hein. Ah, on va partir sur le 2 là. En fait, c'est des petits raccourcis, c'est comme les circuits de Formule 1. Ok. Là, on reprendrait la route principale. Ah, c'est la route qu'on avait vu longer là, ok. Là, c'est interdit. Et là, on revient là où on était. Waouh. Ok. Ok. Un banger. Attendez, moi, je refais un tour. Hein. Je peux passer par là, ouais. Là, j'ai les oreilles explosées par contre. Hein. Donc là, c'est circuit 1. Ouais, celui-là, il est tranquille. C'est le petit tour, celui-là. Vous savez où je vais aller? Vous savez? Vous commencez peut-être à me connaître. Oh. Ouais, on va par là, exactement, on va par là. Bon. Je le sens pas trop, mais il faut y aller. Mais quand faut y aller, faut y aller. Interdit au camion, hein. Je dis ça, je dis rien. Par contre, je vais prendre de la vitesse. On l'a fait. Mais non, on l'a fait. Ouh. Ah, j'étais fébrile, hein. Combien? Eh, zéro dégâts. Bon, je vous la fais en vue extérieure, ça doit être peut-être plus... pour toi, YouTube. On like, on s'abonne. Et on donne la puissance de The Wit. Ça passe easy. Allez, sans les mains, là. Sans les mains, let's go! Yes! Il est trop fort. Il est trop fort ce Scania. Maman, qu'est-ce que j'aime ça. Ah là là. Je vais vous en fumer là. Comme ça là. Oups. Bon, quoi vous dire de ce sans Scania? Bah, écoutez. 30 minutes de record à faire, voilà, à tester tout et encore, j'y repasserai, ça c'est certain, peut-être même en live, Neo7 en score Twitch, n'hésitez pas, abonnez-vous, follow, vous aurez les notifications. Bon, je vous l'ai dit, n'achetez pas le jeu, enfin le DLC West Balkan, si c'est que pour ça, ce serait peut-être un peu dommage. Par contre, vous l'avez, on saisit juste pour l'histoire, juste pour le kiff, faites-vous un beau Scania, allez-y, foncez. Bref, voilà, une expérience, un truc en plus pour ETS, ça fait plaisir. On se retrouve très prochainement sur d'autres vidéos. C'était Neo7, à très bientôt et ciao.